Dégagez de là! Vous bloquez le passage, poussez-vous! Dégagez! Depuis
Bonjour monsieur, j'ai une nouvelle un peu étrange à vous annoncer. C'est à propos du réacteur D42, le tout neuf. Il a un peu, comme qui dirait, disparu. Monsieur, oubliez ce que je viens de vous dire. Excusez, monsieur, c'est juste là. Ha ha!
Ba 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 ba
Salsa cha-cha-cha, à vous. Hip-hop sushi Zulu, bien reçu. Le hangar est gardé par un chien. Terminé. Passez derrière. Sur le toit, vous trouverez un conduit d'aération. Terminé. Taisez-vous, il ne faut pas faire de bruit. Hmm.
Est-ce que tout va bien? Vous êtes en danger? Non, je maîtrise. C'est parti. Alors, fini de jouer. Mission accomplie. Agent 0068, je ne suis pas sûr que nous ayons la même définition du mot accompli. J'ai dit ça, moi? Alors, Jimmy Dynamite, cette fois, c'était la banque de trop, hein? J'ai pas dit mon dernier mot. Tu crois que ton gang va venir à la rescousse alors que tu leur as volé leur butin? Je savais que mon gang me laisserait pas tomber. Hé,
ça? Vous venez de délivrer, hein? Qu'est-ce qui leur prend? Mais les gars, vous attendez quoi? C'est à cause de l'argent? On peut négocier. Merci les gars, je savais que vous m'aideriez. D'accord, laissez-moi sortir et je vous donnerai 10% du butin. Noël, qu'est-ce que vous fichez? Ok, je vous filerai 12%. D'accord, disons 13,5. Si vous n'arrivez pas à lui mettre la main dessus, demain je vous colle à la circulation. Jimmy Dynamite, arrête le fourgon. Non, ne me livrez pas aux flics. Je vous donnerai 15%. Allez, puisqu'on est amis, je vous donne 20%. Merci les gars. Des lapins. Quel cadeau. Attends un peu. Ouais, pas la peine de partager l'argent. À vous la belle vie. Du vin. C'est pas possible. Pas vrai. Peut-être que la chance est encore avec moi. Prends-moi ça. Reviens ici, imbécile. Ça va faire vite. Vous perdez rien pour attendre. Je rêve. Et comment est-ce qu'on peut être aussi bête? Vous allez moins rigoler. Non! Non! C'est trop injuste. Jimmy Dynamite, on se retrouve à la circulation. Fais pas, on n'est pas prêt de le revoir. Attention! Au secours! J'en peux plus, débarrassez-moi d'eux. C'est lui! Allons-nous-en! Où est-ce que vous allez? Me laissez pas avec ces lapins! Rappelez-moi en prison! Je serai sage, je t'ai promis! Ha 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 ha!
Ha ha ha!
être capable de rendre n'importe qui super intelligent. Qui sait quelle mystérieuse force j'ai déchaînée? Dotés d'incroyables super pouvoirs. Les lapins auraient été localisés dans un supermarché et la police prépare une opération commando pour les arrêter. Déployez-vous. Téléphone. Pas celui-là, la ligne directe du président. Ici le président, j'écoute. Alors où en êtes-vous avec ces horribles lapins? Tout est sous contrôle, monsieur le président. Nous sommes en position et prêts à les neutraliser, monsieur. Le désastre, mais tout de suite, une page de pub. Faites comme tout le monde, soyez unique en buvant Pepper Juice. L'opération est un succès, monsieur le président. Les trois individus ont été neutralisés. À vous, à vous. On y va? Pas de réaction.
Monsieur ? Quand pourrais-je dire à la presse que la situation est sous contrôle ? La ligne directe. Quelqu'un a vu le téléphone rouge ? Trouvez-moi ce téléphone ! Mais que se passe-t-il avec cette ligne ? Ah, quand même. Tout est sous contrôle. Ça va me faire monter dans les sondages. Une seule balle. Ne perdez pas la balle des yeux. Je la mets ici. Maintenant, où est la balle ? Moi, je sais. Ici, elle est ici. Eh non. Oh mince, non. C'est pas grave, essayez encore. Ne la quittez pas des yeux. Allez, c'est parti. Où est la balle ? Elle est là. Oh non, ce n'est pas mon jour de chance. Mais dis donc, c'est bizarre que je perde tout le temps. Tu serais pas un peu en train de m'arnaquer, là ? Bien sûr que non, monsieur ! Et ça ruinerait mon commerce ! Oh. Allez, essayez encore une fois ! Concentrez-vous bien sur la balle ! Ne perdez pas des yeux ! Alors, où est-elle ? Ici, cette fois, j'en suis sûr ! Je suis Monsieur Brun. Moi, c'est Monsieur Rose. Et moi, Monsieur Bleu. Je présume que vous êtes Monsieur Blanc. Bien, revoyons le plan une dernière fois. Moi, je me place ici. Moi, je reste garé devant l'entrée de la banque. Et moi, je me tiens derrière le comptoir des employés. Bon, récapitulons. On laisse la camionnette juste en face de la banque. Ici. Vous, Monsieur Bleu, vous restez au volant de la camionnette, sans couper le moteur. Monsieur Rose, Monsieur Blanc et moi, on entre dans la banque. Ceci est un hold-up. Je veux voir tout le monde à terre. Face contre le sol et les mains derrière la tête. C'est bien. Vous, Monsieur Blanc, vous vous occupez des otages. Quant à vous, Monsieur Rose, vous vous chargez... Des caisses et du coffre-fort. Et moi, je m'occupe du directeur. Monsieur le directeur, donnez-moi les codes d'accès du coffre, et plus vite que ça. Tenez. Ils n'auront pas le temps de déclencher l'alarme, puisque nous serons déjà à l'intérieur du coffre. Et il n'y aura plus qu'à se servir. Personne ne verra nos visages, donc personne ne saura qui on est. Et on se tire avec le butin. C'est propre, net et sans bavure. Monsieur Blanc, on n'est pas là pour s'amuser. Bien. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ouais. Alors on y va. Je veux voir tout le monde à terre.
Mettez-vous face contre le sol et les mains derrière la tête. Monsieur Rose, les caisses, vite! Le sac! Désolé. Aïe! 4, 3, 2, 1. C'est passé, bon sang! Mais vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous fichez ici? Ça va.
Mise à feu dans 2 minutes. Oh.